Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo sur le travail et justement le fait d'être chef d'entreprise et de travailler tout le temps, de ne pas s'arrêter. Hier, avant-hier, on a rencontré une dame dans un hôtel qui travaillait. Donc là, on est dans un truc super reposant au milieu de la jungle et tout. Et cette dame travaillait. Je l'ai vue sur son ordinateur le vendredi, le samedi, je l'ai vue sur son ordinateur. Alors, et le papa allait jouer avec sa fille et elle restait sur son ordinateur. Et je me suis vu, moi, il y a quelques années aussi, en faisant la même chose. C'est-à-dire, et à partir de là, je voulais en faire une vidéo parce que c'est vrai, on doit être beaucoup dans ce cas-là. Je me suis dit, si elle était comme moi et moi j'étais aussi à l'identique, je me suis dit, on doit être beaucoup finalement à travailler jour et nuit pour nos entreprises et on a du mal à faire la séparation entre le social, entre la vie de famille, entre l'entreprise. On a peur parce que c'est une certaine anxiété. Est-ce que la société va mourir? Il faut qu'elle continue, il faut qu'elle perdure. Évidemment, à partir de ce moment-là, on travaille. En fait, on compense notre anxiété par le travail. Et le pire, c'est que quand la société après marche bien et elle cartonne, on travaille encore plus. Parce qu'il y a la concurrence et on sait très bien que ceux qui ne progressent pas meurent. Donc, bah, pour pallier à cette concurrence, pour pallier à cette adversité, on travaille, on travaille. J'aurais tendance à dire, déjà, on peut déléguer. Quand on se dit, d'autres personnes font ça pour moi, je les paye et vous êtes assez rentable et vous déléguez, la société peut avancer sans vous. Le problème, c'est quand vous êtes un entrepreneur, soit vous êtes dans un domaine que vous ne pouvez pas déléguer, trop compliqué, et encore, soit vous ne voulez pas déléguer, vous ne savez pas déléguer, et ça, ça reste un problème. Voilà. Maintenant, il faut se dire quand même, on n'a qu'une vie. On a voulu être chef d'entreprise pour avoir un peu de liberté et tout, mais au final, on se retrouve absolument enchaîné par finalement des règles qu'on s'autofixe de toute façon. Alors, ce qui est sûr, c'est que les gens qui travaillent comme ça, dur, c'est pas des entreprises en général qui vont couler. C'est des gens qui progressent, qui font, voilà, qui... Et c'est rigolo parce que moi, c'est peut-être 10 ans, 15 ans plus tard où vraiment j'ai mis en place tout un système pour profiter de ma famille, profiter de la vie, profiter, vous voyez, être tranquille un petit peu, se ressourcer au milieu de la nature. Il faut, si on veut perdurer, je pense, en tant que chef d'entreprise, on doit savoir faire la part des choses. Le problème, évidemment, hein, toujours, si vous êtes en Europe et qui plus particulièrement en France ou dans des pays à forte taxation, évidemment, bah, vu que l'État vous prend pratiquement tout, bah, vous travaillez encore plus, mais en fait, vous travaillez pour l'État. Et vous vous rendez compte à un moment que bah, voilà, vous pouvez gagner beaucoup, mais vu que l'État prend tout, bah, vous gagnez moins, quoi. Gagnez moins, le problème, c'est pas que l'État vous prenne de l'argent, le problème, c'est que finalement, l'argent, c'est du temps, et que l'État vous prend du temps, et ce temps, vous ne pouvez pas le passer avec vos enfants, vous pouvez pas le passer avec votre famille, vous pouvez pas le passer à admirer la nature, à aller pêcher, vous pouvez pas. Voilà. Finalement, on se rend compte, au début, on veut être chef d'entreprise pour acquérir de la liberté, un peu de flexibilité, tout ça, et on se retrouve bien souvent esclave. On s'auto-asservit dans un but de survivance. Alors, Dieu merci, il y a quand même des avantages à tout ça, c'est que ça nous rend extrêmement intelligents, parce qu'il y a la concurrence, parce qu'il faut s'en sortir, et parce que il y a personne qui vous aide, et que si, voilà, il n'y a pas d'assurance chômage, y a pas, enfin, pour moi, personnellement, il n'y a pas de retraite non plus, si je ne place pas, je n'ai pas de retraite publique, je n'ai pas de retraite, comme vous, étatique. On doit réussir, on n'a pas le choix, ça rend beaucoup plus intelligent, mais au détriment, bien souvent, de sa famille et de la vie sociale. Et c'est vrai que quand je revoyais cette dame, mais je me revoyais même à 3h du matin à l'hôtel à Tenerife où j'allais travailler pour pas réveiller tout le monde et je me levais très très tôt pour travailler et ensuite je renchaînais pour passer du temps avec ma famille. Mais si vous voulez, si j'étais obligé de me lever de 3h, on va dire de 3h à 7h du matin, je travaillais pour l'État, je travaillais pour payer des impôts. Et alors, Dieu merci, j'ai une bonne santé et j'arrivais à tenir jusqu'au soir, hein, jusqu'à 22h où j'étais toute la journée en train d'emmener les gamins. Voilà, mais on n'a pas tous cette morphologie. Quand vous repartez après, vous rattaquez le lundi, vous êtes dans un bon mindset. Il faut le sortir la tête du guidon, il faut sortir de cette anxiété parce que vous êtes en risque maximum. Il faut savoir décompresser même pour mieux rebondir, pour trouver même d'autres alternatives, d'autres opportunités. Et ça m'a fait rigoler parce que cette dame était au Panama, vous voyez, avec un État beaucoup moins taxé, mais elle aussi, et c'est rigolo parce que vous voyez, entre un Français qui était à Tenerife ou qui était en Tunisie et une Panaméenne bah, qui elle était au milieu de la jungle au Panama, vous voyez, il n'y avait aucune différence, quoi. C'était vraiment universel, cette anxiété de réussir et de travailler pour sa société, c'est quelque chose d'universel et donc c'est quelque chose qui peut vous toucher à vous aussi, chef d'entreprise. Dites-vous bien une chose, c'est que si votre business ne vous laisse pas le temps pour votre famille un petit peu, ça veut dire qu'il faut changer certains trucs, il faut changer des process, il faut changer, il y a des choses à changer. Vous devez restructurer, peut-être changer d'activité, peut-être changer de collaborateur, nanana, mais il faut changer certaines choses. Et c'est vrai, hein, je le dis, hein, moi depuis finalement que je suis, que je prends vraiment du repos, enfin c'est pas du repos, mais je prends du temps pour moi, vous êtes plus gentil avec vos enfants, vous êtes même plus aimable avec votre femme, voilà, votre vie se passe différemment et c'est ce qu'il faut, quoi. Parce que finalement, on dirait ceux qui profitent de la vie, ceux qui ont du temps, c'est ceux qui ne travaillent pas et
finalement qui vont vivre de l'assistanat social et tout. Et vous, vous travaillez comme un chien et vous profitez plus de rien. Finalement, c'est vous l'esclave. Vous travaillez évidemment parce que dans certains systèmes socialistes, vous travaillez pour 4 ou 10 personnes. Hein. Donc évidemment, vous êtes obligé de vous tuer à la tâche. Vous avez beaucoup de gens sur votre dos. Vous vous rendez pas compte, c'est invisible. Vous avez, par exemple, en France ou dans d'autres pays socialistes, vous avez beaucoup de personnes à porter sur votre dos. Alors vous pouvez être costaud et le problème, c'est bah, vous les portez, mais vous sacrifiez votre vie sociale, vous sacrifiez votre vie familiale. C'est pas une vie, quoi. On n'a qu'une vie. On va avoir que 80 ans à vivre. Pourquoi n'aurait pas le droit de vivre dignement, de profiter un peu, de s'asseoir sur un caillou, vous voyez ce que je veux dire, de regarder les petits poissons qui nagent, de voilà. Pourquoi nous n'aurait-on pas le droit de faire ça? De toute façon, du travail, cette planète, c'est à l'infini. Vous avez un business, vous montez, vous pourriez construire une maison comme vous pourriez en construire 50 milliards. Vous voyez, donc ça peut aller à l'infini. Il faut se dire, je fais un quota. Vous savez quel quota, vous fixez des objectifs. Une fois que vous les êtes fixés, vous savez que vous êtes rentable et que c'est votre objectif. Et si vous voulez en faire plus, il va falloir déléguer. Mais n'oubliez pas le phénomène, voilà, il faut déléguer. Si vous voulez en faire plus, vous ne pourrez pas tout faire tout seul. À vous maintenant de vous prendre en main. Salut à tous et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.